Et bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir les amis, et oui, ça va l'épisode 21, ouais, ça fait plaisir, c'est pas bien, mais c'est pas celui-là, il a rien compris. T'es à côté de la plaque, Kowachi. Tu l'as fait exprès, c'est ça? Salut à toi. M'en fous. Tiens, j'ai dit de spammer le Kuribo, il spamme autre chose. Bonsoir à tout le monde. Allez, le pilote de GeForce qui me dit qu'il y a une mise à jour maintenant. Ah, mais il attendra. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons, bien sûr, faire un nouvel épisode sur Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Dans l'épisode précédent, j'avais retenté d'affronter les gardiens de la porte et ces becs et je sais plus quoi. Oui, ça c'était du beau. Ça c'était du Kuribo, ça. Et alors j'ai essayé de mettre le chat au-dessus de moi, mais il est tout petit. On voit rien. Il faut que j'essaye de trouver autre chose comme chat parce qu'il est, il est vraiment un petit. Il faut que je mette un cadre aussi. Voilà, ça sera mieux pour ceux qui veulent voir le chat. Et donc du coup, on va farmer ce soir un petit peu encore. Voilà, parce qu'il me faut des cartes. Voilà, autre chose que contrôle météo ou lutin cornu ou lutin sauvage ou tous les lutins du monde. Hein, voilà. Et après, on va essayer d'affronter encore les gardiens. Là. C'est quoi ce bordel, ouais. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, parce que il faut que j'atteigne les 1000 abonnés, les amis. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est important. Et ça me montre à quel point vous appréciez ce que je fais, surtout. Donc merci à vous, et merci ceux qui se sont déjà abonnés. Ça me touche beaucoup. D'ailleurs, il y en a plein qui me donnent plein de conseils. Et il y en a un que je vais essayer ce soir. Et alors je me rappelle plus son pseudo, il va me tuer. En fait, il y a un des abonnés qui m'a dit, n'hésite pas à tenter de finir tes duels avec des attaques de dragon. Ça donne peut-être plus, ça donne d'après lui plus de chance pour avoir le dragon météor noir. Donc on va essayer ça. On va voir, moi j'y crois pas trop. Et on va voir ce que ça a donné. Donc on va re-affronter au hasard le mage de la prairie que j'ai battu 107 fois. Il y en a, ils l'ont battu 500 fois pour avoir les dragons, donc ça va, je suis normalement. Dans les... le gardien celte, regardez-moi comment, qu'est-ce qu'il est beau ce monstre incroyable. Bon allez, c'est parti, on va essayer de l'affronter. Il faut que je fasse des S-PO. Et après on fera du attack et tout ça, mais le problème c'est du attack, c'est qu'il faut modifier tout le deck. Je vais rester en leurre parce que je comprends rien au jeu. Mais je comprends, Washi, merci de passer en tout cas, merci pour le leurre. Ça fait très très plaisir. Allez, c'est parti. On va déjà mettre un big monstre sur le terrain. Bien sûr, le dragon à deux têtes. Le dragon éclair à deux têtes, évidemment. C'est important. Voilà, prairie. Comme ça, il me laisse à 2800. C'est la technique. À chaque fois, une grande majeure partie du temps, il va mettre la prairie en premier. Donc, ce que vous faites après ça, c'est que vous le reprenez un deuxième dragon éclair à deux têtes. Et vous lui bourrinez sa mère. Bien comme il faut. Quoi. Hop. Salut à toi, Snails. Oui, j'adore, j'apporte ma chance. Hein. Je crois que tu as dit j'adore ma chance. Hein. Je dis, oui. Et te dire, oui, ben bravo à toi. Moi, j'adore pas ma chance. Moi. Mais écoute, on va espérer. On va espérer que tu me portes chance. Hein. Enfin, comme tu vois, je suis trop content. J'ai rajouté le petit émote Kuribo. Voilà. N'hésite pas à t'éclater avec. Ça va me porter chance. Quoi. Ça va faire du bien. Oula, attends. Il y a quoi sur le terrain? C'est bon. Allez, on se fait plaisir en troisième dragon. On va espérer que ça fasse... le fait que ça soit une attaque dragon, ça va m'aider. On verra. C'est vrai que direct, c'est le dragon météor. Ça serait incroyable. Et là, je pourrais dire, putain, mec, tu restes tout le long de la soirée, tout le live. Allez, on va voir. On va prier. Le premier duel de la soirée, on va voir si ça fait quelque chose de bien. Attention, si c'est un contrôle météo, je me barre. Je me barre aussi, je vous jure, je spectre des ténèbres, mais va te faire foutre. Voilà, je suis désolé. Et je veux bien être sympa, je veux bien être correct, mais il y a des moments où j'ai mes limites. Voilà, c'est pas possible, quoi. Acnologia, salut à toi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Mais j'en ai marre, putain, mais... Ça me rend fou. Et je débarque pour ça, et salut... Ah oui, mais toi, tu me portes la poisse, je pense, oui. Salut, salut ton boule. J'aime trop ton boule, j'aime trop... Yoli Coco, je reste quelques minutes avant d'aller dodo. Ah, tu as déjà te coucher, je comprends. Tu es devenu flou carrément. Mais oui, mais parce que je suis énervé. Je suis tout flou. Oh. Allez, on relance. Ah ben écoute, Tom Bull, tu vas rester pour un petit duel quand même. Et tu as porté chance. Tu portes chance, Tom Bull. Voilà, ouais. Faites comme dans Dragon Ball, vous levez les bras pour m'envoyer toute l'énergie. Oui, je commence le taf à 5h. Putain, ouais. Regardez, les gars, la chance, elle est où, là? Ah, c'est quoi ces trucs? Bon, j'ai un piège, d'accord. Allez. Petite prairie, c'est parti. Ah, pour dire comme quoi, moi je suis Joba. Ce matin, je me suis levé à 5h30 pour aller à la salle de muscu à 6h. Ouais. Et mon collègue m'a dit, viens à la salle, je te montrerai un truc, tu vas te régaler. On a fait le travail du dos, il m'a défoncé la gueule. Il m'a dit, t'inquiète, ça va aller, demain tu auras mal. Si je te donne mon énergie, je dors pendant 20 heures. Oui, c'est vrai. Alors tout le monde sauf Elion, voilà. Ça, ton boule, si tu me donnes ton énergie, tu pourras aller dormir. Pour toi, c'est bon. Et piège, piège, piège. Ah, bim. Alors, ça sera pas un espo, du coup. Moi, il n'y a plus de jus. Tout va bien. On va faire ça. Allez. Que ma chance arrive sur les matchs à venir. Ah, c'est gentil, ça. On va y arriver, on va y arriver. Putain, il me faut ce dragon, hein, j'en peux plus. Hein. Le dragon météore noir. Il y en a qui m'ont dit dans le dernier épisode, oui, mais il n'y a pas que avec ça que tu peux gagner tout. M'en fous, c'est devenu un challenge, c'est devenu une quête. C'est ma quête ultime. Ah, il y en a, la quête, c'est de finir le jeu. Moi, c'est le dragon. Alors, tout le monde a fini. Oh, attendez. J'ai pas vu la carte que c'était en face, c'est pas grave. Je sens que je vais me faire avoir. Non, ça va. Ça va. Ouais, au moins d'en avoir deux. Ouais, mais c'est clair. C'est clair. Ah ouais, il t'en faudrait trois. Oui, non, mais ça va. Encore que quoi est pas là, oui, c'est clair. C'est clair. Mais profitez là, qui joue au go, au pro, j'y dis vite, elle joue. Il viendra pas t'embêter après. Ok. Oh le magicien ténèbre. Oula, voilà, il y a quoi sur le terrain? Non, ça va. Pas le bouclier millénaire de merde. Bim. Allez, on y croit. Après, en photo... Ah oui, mais je vais faire un putain de screenshot, mon gars. Et tous les jours, je remarque. Vous avez vu? Ah. Je vais mettre à côté comme un selfie, genre. Guerrier zombie. Ouais, combat le mage de la prairie, t'as des trucs de fou. Ouais. Il m'a donné Gaïa, quoi. Non, tu peux la voir. Avec la note S, oui, je sais bien. Je sais. Après, la note A, elle est pas trop mal aussi. Ça donne des bonnes cartes aussi, la note A. Oui, mais ça donne pas normalement. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Allez, hop. Hop. Lui, je vais le mettre en... Oui, le Gaïa. J'en ai eu qu'un, d'ailleurs, le Gaïa. J'ai pas eu deux. Par contre, magicien TL deux fois. Et d'affilée, en plus, je crois. Mais quasiment. Quasiment d'affilée, je les ai eu. J'en ai eu hors live, et puis j'ai lancé le live, j'ai eu un deuxième magicien TL. Tout va bien. Ah, mais si je fais ça, ça sera pas du S... Eh bien, on va faire ça. Ouais. Ah, je sens que ça... J'aurais dû regarder la carte.
Je me déteste. Je me déteste. Je me déteste. Quand j'ai posé la carte, j'ai putain, t'as un éclair dans la main, t'aurais pu défoncer. Mais non. Mais non. Mais non. Ah ben vas-y, allez, c'est bon, bon, au revoir le S. Au revoir le S. Attaque cœur. Hop. Est-ce que j'aurai au moins le A? Et j'ai le droit de me gratter le nez. Oh mais dis donc. Sangane. Vous avez vu que le A, ça donne des meilleurs trucs quand même. Sangane. Voilà. Bon. Commence bien, c'est pas... C'est une bonne carte, hein. Maudit. Je suis maudit. Allez hop. Oula. Vas-y, attaque. Oh. Bien le bonsoir, attaque équerre, oh putain. Salut Marcou. Bon, 2800. Parce que Marco, elle va me porter chance, je sais pas. Bizarrement, quand il a là, je vais avoir que des cartes où il y a des gonzesses dessus, je sais pas pourquoi. Bon, allez. Foudre. Hop. C'est bon. C'est fou, quand je me méfie, c'est jamais le bouclier mis. Pas plus mal, j'ai mis là. T'as combien d'étoiles? J'ai pas regardé. J'ai déjà acheté des cartes, donc je sais pas combien j'ai acheté. Enfin, après, j'aimerais bien avoir les cartes en drop, quoi. Ça serait tellement cool. La Gumon lance ton attaque d'une flamme. Ah ouais, ben c'est ça. Mais putain. Je vais aller voir le gardien, le lui là. Voilà, truc des montagnes. Non, c'est la forêt. Je me déteste. J'ai cru que c'était celui des montagnes, c'est le mec de la forêt, quoi. Oh bordel. Aïe. Je vais faire ça, mais j'y crois moyen, quoi. Hein. Moyen. La frustration, mais ça c'est... C'est mon quotidien, hein. Ah, le mec, il met des pièges. Quoi. Allez, on va faire ça, ça va dégager des cartes un peu. Hop. Alors, vas-y, go. Ah bah attends, c'est qu'on aura des lives le mardi soir pendant encore 2 ans. Oui, mais... c'est clair. Mais j'aimerais bien faire d'autres jeux. Oh non. J'aimerais bien faire d'autres jeux Yu-Gi-Oh. Bien, il n'y a pas que Yu-Gi-Oh dans la vie, mais en fait, il y a Yu-Gi-Oh, mais d'autres endroits, d'autres histoires. Allez. Allez, on peut le faire. Entre la montagne et la forêt, pas tellement de choses. Oui, en fait, c'est le gars, je me suis dépêché, et après, je croyais que c'était le mec de la forêt, en fait, de la montagne. Et c'était la forêt. En fait, la montagne, ils disent qu'ils donnent plus de dragons. Alors, j'ai l'espoir que bon, voilà. L'espoir qu'il me donne quelque chose. C'est vrai que c'est lui qui me donne le dragon. Miroir démoniaque. Ça me dit quelque chose, ça. C'est pas pour le squelette malfaisant, ça?
Le miroir démoniaque. Et pas d'ammoniaque, est-ce pas pareil? Non, le démoniaque, c'est... Alors, c'est lui, non? Montagne. Il me semble que miroir démoniaque, c'est le... Merde, j'aurais dû regarder, putain. Ouais, c'est le truc pour invoquer le squelette malfaisant. Je sais plus. Allez, c'est parti, c'est parti. Pluton, lune, 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 lune. Oula, montagne. Ben voilà, tu vas prendre 3300 dans la gueule, c'est pas beau ça? Il est gentil lui, hein. Ah, il est gentil. Ah, il est gentil, il est gentil. Ben 2900 et voilà. 3300. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donne-moi des bonnes cartes. Donne-moi des bonnes cartes. On va pas se faire chier. Hop. Voilà. Donne-moi des bonnes cartes. Dragon. Donc, normalement, j'ai un dragon. Je suis la logique. Plus de chance d'avoir des dragons. Mage de la montagne peut dropper le dragon météore et la carte fusion dragon crâne noir. Ah. Eh ben écoute, chauve-souris, voilà. Il m'a filé Batman. Non mais c'est chauve-souris quoi. C'est une créature, elle a même pas de nom, c'est genre chien. Voilà. Tigre. Voilà. C'est chauve-souris. Girafe. Il est beau le dragon. Ah, il est beau le... Moyen cette carte, tu trouves? Elle a l'air balèze. Miroir démoniaque. Ah, putain, c'est pas celui que je croyais. C'est pas celui que je croyais. Je sais pas ce qu'il fait celui-là. Je crois pareil, mais je crois qu'il sert dans les fusions. Je suis pas sûr. Bon. Ok. Bah... On va faire ça. Ah, c'est un dragon. La robe est maudite, je crois. Hein. Je crois. Hein. Montagne. Oh. Bah allez. Pourtant, je m'en suis pas servi celui-là. Lui a trop ma chance. Ah oui, non, mais j'en doute pas. Hein. Je n'en doute pas, j'ai bien remarqué que je suis le seul à avoir de la merde. Hein. Oh, il y en a un sur Discord, il est pas mal aussi. Niveau chance, il a l'air de me rivaliser là. Un peu plus son nom. Onimusha, il est là, salut à toi. Ah, j'ai essayé de récupérer Onimusha 3 remasterisé. Et normalement, il était prévu sur Steam, il n'a pas été fait. Je suis déçu. Donc du coup, bah, je le prendrai normal. Hop. J'ai fait Fifia pour les émotes d'ailleurs. Elles sont cool, ouais, oui, elles sont cool. Elles sont bien. C'est régalé. Alors, il y en aura aussi pour ceux qui prennent des abonnements pour le niveau, comme la couronne, tout ça, là ça va changer ça aussi. Maître d'armes étrangers, ok, je sais pas ce qu'il fait. On va retenter avec lui parce que ça serait bien. On va retenter, mais après je laisserai tomber, je retournerai sur le mage à la prairie. Mais je pense que tous les mages de ce niveau se valent. Hein. Tous les mages se valent. Allez, c'est parti, c'est parti. Ça se fait chier de faire ça. Hop. Pluton. Montagne.
Au moins, je me tape pas le bouclier millénaire, hein, ça c'est bon. Ouais. Allez, c'est bon. Le dragon aux yeux rouges. Boum. Boum. Et 800. Bon, je vais aller dodo, ça sera team replay pour moi. Ben, bonne nuit à toi. Et c'est pas plus mal que vous allez regarder le replay. Voilà. Moi, non, j'ai atteint les 4000 heures, ça va. Il me faut les 1000 abonnés. Hop. Hop. Ah putain, j'aurais pu. Ouais. Enfin, vaut mieux pas que j'utilise la foudre parce que j'ai peur que ça me passe pas le S. Bonne soirée, ça m'a fait plaisir de te voir. J'en ferai la montagne belle. Oh putain! Alors, si tu commences comme ça, Stel, ça va être compliqué parce que si Crew il arrive. Là, là, on a la belle brochette de champion des jeux de mots. Là, ça va être compliqué. Là. Ça va être compliqué. Hein. Bon, on va retenter lui. Putain, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Faut que j'y arrive. Faut que je trouve. Putain, si j'ai pas ce dragon, je vais jamais y arriver. Imagine, genre, au bout de 1000 duels, mais je vais devenir fou. Hein. Je vais devenir fou. Oh putain, lui, il sort jamais. Quoi. Là, on a dit. Ouais, merci à toi d'être passé, c'est très cool. T'es clairement top. Allez. Vous l'entendez bien le son de la musique? Je sais que vous adorez ça. Hop. Allez. On y va à fond. Il n'y a qu'une musique dans le jeu, c'est celle-là. Il y en a deux ou trois quand même. 2950. Le 50 est très important. D'ailleurs, ils ont arrêté d'en faire des monstres avec le chiffre à 50 là. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas fait des trucs comme ça encore. Tu me diras, c'est compliqué. C'est galère à. C'est galère à compter après si on doit compter de tête et tout. C'est chiant. Quoi que. Merde! Putain, je suis emboulé. Je suis en train de niquer toute ma game. Allez. Que là, c'est pas bon. Voilà. Bon, allez, allez. Le cheval ailé. Je l'ai eu avec lui, je crois. Je l'ai eu avec le match de la prairie aussi. Il me semble. Je vais faire ça pour le moment. Hop. Il me semble bien. De toute façon, il est dans un des épisodes. Même si j'ai jamais eu. Alors, pour la petite anecdote, pour ceux qui connaissent pas, c'était la récompense du tout premier tournoi mondial de Yu-Gi-Oh! Le champion du monde avait. Cette carte en tant que récompense pour être le champion du monde, le maître des duellistes, quoi. Le roi des jeux. C'était cette carte. Il était très recherché. Il est toujours d'ailleurs, mais il faut que ce soit la carte du champion, bien sûr, qui est hyper chère. Allez, un deuxième. Voilà, j'aurais pas le S, hein, évidemment. Évidemment, évidemment. Bon, on va faire ça, tiens. Parce que si c'est le bouclier qui est au sol. Lune, ouais, c'est le bouclier. Non, c'est pas le bouclier. Hop. Bon, je vais avoir la merde, évidemment. Hein. J'ai fait n'importe quoi. Là.
Shinzo, Shinzo numéro 7, papa. Si je dis pas de bêtises, Jono, deux drops aussi, le... ouais, le dragon météor noir. Eh ben allez, on va le faire, on va le faire, ça changera un peu. Ça changera un peu. Et c'est là que c'était à ce moment-là que j'allais l'avoir. Ah ouais, peut-être ma chance, elle va tourner après. Bon, allez. On va le tenter. Hop. Alors... Allez, hop. Là, vraiment, le seul qui doit faire, c'est le dragon à deux têtes, là. Le premier dragon est en noir par jouer. Ah ouais. Eh bien, écoute, on va prier. Oh, allez. Hop. Hop. Et boum. Chevalier squelette qui est magnifique. Chevalier squelette, pareil, c'est avec le match de la prairie. Hein. T'as beaucoup de cartes que j'ai pas. Ah ben heureusement, au moins ça. Heureusement. Voilà. Après, voilà, j'ai pas le dragon. Chacun son truc. Là, les garrosis, j'en avais plein. Dans une, la sauvegarde que j'ai sur la play, ma vraie sauvegarde. J'ai tout un deck que des guerriers, genre Garrosis, tout ça, tous les cartes de Joey. J'ai eu ma santé 5 minutes, j'ai loupé quoi. Foula, j'ai eu un Shinzo. Bon, numéro 7, mais c'est un Shinzo. Mais sinon, rien de plus. Rien de spécial. Rien de taré. Évidemment. Évidemment. Ben, je pose mon petit piège. Là, on se bat contre Joey Wheeler. À celui du passé. Allez, machine éthère. Bam. Sur ma play, j'avais l'insecte. Waouh, wow, la chance. Base insecte. Ah, ça me fout. Ça me rend fou. Je me dis, c'est pas possible. Comment est-ce possible, quoi? Tu vois, tu parles d'un insecte, j'ai eu base insecte. Vous pouvez pas dire j'ai eu des petites merdes en dragon là. Oui, mon chat, tu as regardé sur une station. Oui, oui, il y est sur une station. Ouais. Faudrait essayer en me disant oui, hier j'ai eu un contrôle météo, les gars. Quoique, des trucs comme ça. Des lutins sauvages. Enfin, dites-moi quand vous avez des chances comme ça, et moi je vous sens un gros truc là comme ça. On va inverser la chance. On va être fourbe avec le jeu. Hop. Allez. Allez, allez, allez. C'est parti. J'avais eu un petit dragon. Ah, bravo. Voilà. Ça, ça me plaît, ça. Voilà, un petit dragon. 2002. Ouais, c'est bon. Ah, puis je jouerai pas le S, je pense. Ah, putain. J'ai mal compté. J'ai regardé vite fait et j'aurais dû bien compter, quoi. Moi, je croise les doigts pour que tu aies la meilleure carte, pour que tu passes la suite de l'histoire. Parce que le farm, c'est un peu relou à force. Ouais, désolé, Olibusha. Ouais. Désolé, désolé, désolé. Je le comprends. Je comprends, je comprends. Mais s'il faut, je farm en off parce que... Je comprends qu'à force, c'est pénible. Hop. J'aurais aimé tomber sur vraiment des bonnes cartes et pour les drops. Mais putain, hélas, c'est compliqué. Je m'y attendais un peu que les gens, à force, on en marre, c'est normal. Hein. Salut Pio. D'ailleurs, pour ça que j'ai jamais fini le jeu, malheur. Ouais. Kagebusha, flamme bleue. Oh,
Ah. Jamais y arriver, c'est pas possible. Compliqué. Ça va, copain Ucho? C'est compliqué. Allez. Hop. Faut qu'on y arrive. Après, je retenterai d'affronter le big boss là. Avec de l'espoir. Donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose de concret là. Hop. Allez. Ah, ça me rend fou. Ça me rend fou, ça me rend fou. Allez, on repart sur le match de la prairie, tant pis. Il y a que lui que il y a quelque chose quoi. Il y a que lui quoi. Après, je retentais les big boss là, mais je sens que je vais me faire poutrer. On ira affronter Aishin un peu. Aishin peut-être. Peut-être. Je dis bien peut-être, il aurait une chance. Mais... compliqué. Hein. Oh. Eh ben tant pis, hein. On va faire ça. Hein. Vous savez quoi, je pense que... oh, attends. Ouais, on va mettre la foot direct. Je pense qu'on va faire un épisode un peu plus long cette fois-ci. Et on va farmer comme des porcs. Tant pis. Et tu, je fais à chaque fois une heure l'épisode. Là, on va y aller à fond de boîte. Sur un seul épisode. Et essayer de gagner du temps, quoi. D'un géant de pierre, putain. J'ai encore des codes. Je sais pas, faut que je regarde à part. Ça dépend quel code aussi, ça dépend quoi. Je sais pas si ça vaut le coup là, parce que j'ai pas de... tous les trucs que j'ai besoin, c'est hyper cher. Il faudrait des cartes d'équipement, c'est ça le pire. C'est ça le plus utile. Ouais, non, mais je pense pas que tu peux l'avoir. Soldat de l'éclat maléfique, mais je sais même pas. Non, mais c'est pas... je crois pas qu'il y ait dans celui-là. Ah, voilà. Ouais. Ah, le fameux Pégase. Pégase aux ailes de feu. Bon, allez. Y arriver. Aïe 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 aïe. Ah ben voilà, impeccable. Allez hop, c'est terminé.
Même des chevaliers squelettes, je prends. Moi, chevalier squelette, je suis heureux. Oiseau de mort, putain. Oiseau de mort. Ça s'en branle. Ça devient compliqué. Oh, 1900, il est pas mal. Hein. Bon, je m'en sers pas, mais 1900, ça va, quoi. Je sais pas comme dit qui est dans ce jeu. Dans ce jeu, je t'avoue, je sais pas si c'est vrai. Je regarderai, je vais regarder. Si, excuse-moi, j'ai relancé une game, j'ai pas pensé. On va aller regarder juste après. Il doit être à 9999 000. Un truc comme ça, pas possible. Gaïa. Alors je vais pas le fusionner, je pourrais le fusionner avec le dragon. Parce que là il est à 2800 grâce à la prairie et quand tu le fusionnes avec un dragon il devient dragon. Du coup il tombe à 2600. Donc c'est un peu dommage. On va éviter. 2800 c'est bien. Voilà, c'est très bien. On va faire ça. Hein. Ah, parfait. Allez hop. Allez. Allez. On m'en fout. Elle est obtenable et pas achetable, ok. Alors, je vais aller voir combien j'ai d'étoiles quand même. Mot de passe. Mot de passe, mot de passe, mot de passe, mot de passe. 518 étoiles, c'est pas mal. Pas mal. Je sais plus, il me faut le... Il me faudrait la carte d'équipement pour les dragons, là. Putain, je me rappelle plus le nom. Je sais plus si elle vaut dans les 700 ou un truc comme ça. Tiens, on va essayer Eichin. 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 On va aller voir un peu. J'ai battu qu'une fois. Quoi. Je vais me faire poutrer, hein, clairement. Peut-être si j'ai un dé, c'est pas mal. Joseph, hein. J'ai dû le garder pour faire un monstre à 3002, mais tant pis. Allez, lui il va me le poutrer, hein. Clairement il va me le poutrer. Oh, quand il me nargue avec ça quoi. Ah ça me rend fou. Oh là là, je le veux. Je le veux. Je le vends trois fois. Et il va mettre d'autres trucs. Hein. Tant pis. Tant pis. C'est du gâchis, c'est clairement du gâchis. Aïe, ça c'est un piège ça. Joseph. Parce qu'il va être détruit donc. Uranus. Ah non, pas détruit. Ok, écoute. Pourquoi pas. Ah, quoi, t'as mis un dragon de merde. Tiens. C'est fini. Comment dire une.
J'ai rien, j'ai totalement rien pour m'aider. J'ai rien pour m'aider, c'est bon. Je sais même pas si je peux abandonner. Je sais pas. Les deux seules cartes qui auraient pu m'aider, elles sont mortes. Bah, vas-y. Pour le plaisir. Voilà. Pas les insectes. Hop. Qu'est-ce qui va me sortir, le gardien de la porte? Elle est trop bien cette carte. On va voir crâne noir. Allez. Voilà, voilà. Aïe aïe aïe, et ouais, quand t'as pas de carte équipement, t'as rien quoi, c'est une misère, c'est une misère. C'est vraiment compliqué. Allez. Allez, allez, allez. Bon, désolé, c'est vraiment, c'est, je sais que c'est répétitif, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Eh mais j'ai mis plus de temps, c'est pas grave. Oui. Ouais, hop. Hop. Ah, qu'il va mettre son bouclier de merde. À tous les coups, c'est ça. Non, ça va, c'est le soleil. Bon, c'est bon, on a gagné. Hop, tac. Un dragon. Allez, putain. Ah, j'ai plus de bras tellement. Oh. La muscu, ça fait pas du bien. Mais ça fait du bien, mais quelques jours après. Pocher d'argent, mais c'est fou! Ah! Putain, mais je suis maudit, hein! Ah, ça me rend dingue! Putain, des espo, ils te filent des trucs de merde, quoi. Spec des ténèbres, fantômes du grenier, je sais pas quoi, là. Allez! Il va se prendre 2800 cibles la prairie. On va y arriver. Prêt. Prêt, 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 prêt. Allez. Hop, hop, comme ça, ça dégage du monde. Eh bien, j'ai plus de temps encore. 2800, 2800. Ok, on est bon. Mais ça, ça fait chier. Ah, bouclier, putain. Bouclier. Attendez, on va dégager. On va dégager du monde encore. Hop. On va mettre en mode lune. Ça fait yesh, hein. Quoi. Lui, on peut le poutrer. Aïe, 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 aïe. Et oui, j'ai dû mettre vent, putain. Ouais. Pardon, cette musique, ouais, je me rends fou. je comprends. Je comprends, Nimoucha. Oh non.
Allez. On va virer plein de dragons. Hein. Il faut la foudre. Allez. Allez, allez, allez. On gagne du temps. Ok. Il faut la poudre ou la mer, quoi. La mer. Poudre. Allez, hop, c'est bon. Après, c'est le niveau C là, donc ça va. Faut y croire, faut y croire, faut y croire. Allez, voilà, il faut. Je veux dire, allez, t'es un bon jeu, t'es. Voilà, faut. Fais des bonnes choses. Allez. Allez, mon gars. On va faire ça, on s'en fout. Allez. Hop. Hop. Deux mille sept. Allez, c'est bon. Comment on le finit ? Ok. Allez, s'il te plaît. Ah, j'en peux plus là. Je fatigue. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah, Pégase, deuxième de feu, deuxième. Gagné qu'il avait pas une deuxième fois le Pégase. Je vais le mettre bien sûr. Je vais enlever Dino là. Si c'est à 2002. Et bonsoir Dolgoshan, salut à toi. Bon, c'est la cata ce soir. C'est la cata. J'arrive pas à avoir les bonnes cartes. C'est pas vrai. Ce soir c'est compliqué. La meuf, on va la garder. Le labyrinthe, on garde, évidemment. Voilà, c'est le Brachiosaur à 2200, quoi, que je vais dégager. Voilà, Pégase, tout ça, donc Brachiosaur, il dégage. Et je vais mettre Pégase. Ah, t'as trouvé Kuribo, magnifique. Magnifique. Je vais sauvegarder. Et on va prier... Faut prier pour avoir des meilleures cartes. Déjà, il m'a ressorti Pégase, c'est bien. Ça mange du bon quand même. Et attends, regardez, on est 118, c'est pas mal. 118 duels, quoi. 118 duels que j'ai fait en live. Hein. Quasiment. Quasiment live. Je crois à 10 duels près, je les ai tous fait en live. Ça me rend fou. Bah allez, pour le... Ouais, non. Hop. On aura besoin. Allez, on y croit. Hey. Yes. Allez, deuxième dragon. Une. Hop. Il restera 2400. Le prochain tour, il est mort, sauf si c'est son bouclier de merde. Et quoi de neuf? Salut, Matt. Eh bien, compliqué. On a eu un deuxième Pégase, mais c'est tout. Vraiment, ce soir, c'est compliqué.
C'est compliqué. Pour avoir des bonnes cartes. Ça va bien. Là, j'y arrive pas. Hein. J'ai que des fantômes, hein, je sais pas quoi là. Des spectres des ténèbres. Ah oh, putain. Aïe 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 aïe. Je passe à table enfin, mais ça va. Ah! Eh bien écoute, bon appétit à toi, profite bien. Sûrement après une dure journée de labeur. Un repas bien mérité. Monsieur est agriculteur. Il mérite son repas. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Samedi d'ailleurs, on va peut-être refaire du... comment ça s'appelle? Du farming. Farming simulator. Peut-être. Ah d'ailleurs, pour ceux qui veulent sur Epic Games. Ce jeudi là sur Epic Games, il y a un jeu mystère qui est gratuit. Je joue en même temps et j'ai pas plus de chance que toi. Donc écoutez bien, il y a un jeu qui est gratuit chaque semaine en ce moment sur Epic Games, tous les jeudis. Et normalement ce jeudi, c'est Marvel Midnight Sun. Un très bon jeu qui à la base coûte très cher. Donc n'hésitez pas à faire attention. C'est jeudi à 17h qui sera gratuit. Voilà. J'ai eu l'annonce aujourd'hui. C'est un jeu mystère, mais il y en a qui ont eu la chance de savoir ce que c'était. Logiquement, c'est celui-là. Il y a quelques épisodes sur ma chaîne. Il y en a 3, je crois. Donc, si vous voulez voir un peu ce que c'est. C'est plutôt pas mal. Très bon jeu avec des héros Marvel et tout. Très beau graphisme. Je vous le conseille. Avec des combats un peu un tour par tour. Ah oui, c'est vrai que ma femme a une chance légendaire. Pour le dernier truc, elle pourrait appuyer sur le bouton. Ouais. Allez, on va faire ça, on va tenter. Franchement. Non, je vous le dis, si elle réussit à m'avoir une carte, je peux pas être heureux, j'aurai les boules, je vous le dis. Allez, appuie. Encore. Vous avez vu comme quoi c'était bien elle, hein, parce que... Je vais lui redire pour appuyer, mais... Après, j'ai touché la manette aussi, donc je sais pas si... Bon, ça va. Ça va. Elle doit faire un duel en entier. On est dans la merde. Ah, c'est mort, il connaît rien. Il a fait un duel en entier, elle va faire que perdre, hein, je vous le dis, moi. Bien. Voilà ce que t'as gagné. Waouh. Ah oui, bah oui, il faut doit invoquer les esprits et tout. Ah. Un petit temps d'adaptation. Dans les jeux qu'elle joue, elle met juste le doigt sur son écran, terminé. Et puis. Vas-y, le dernier légendaire que j'ai eu, ouais. Le league, j'ai fait combien de tirages pour l'avoir? Ouais, mais... Ouais, ça aurait marché, j'aurais été deg. Hein. Mais oui, mais moi aussi. Hein. Non, mais j'aurais... Franchement, hein. Et j'aurais arrêté cet épisode, comme ça. Le game, j'annonce chevalier squelette 100%. Écoute, on va voir. Hein. On va voir. Et le dragon, avant que tu lances le live... m'a dit de cacher le screen sur Discord. Non, mais vous m'énervez. Quoi? Mais tu l'as vu? Mais non, j'ai pas vu. Oh, regarde. Pourquoi? Live, mais juste avant le live. Oui, mais c'est le message que t'as vu, c'est ça. Mais non. C'est un épisode là, donc. On verra plus tard. Déjà que l'épisode il est chiant et long parce qu'il y a répétition, on va pas couper en plein milieu pour aller voir Discord. Hop. Est-ce que j'ai répondu à ton message sur Discord? Hop. Ouh, j'ai du bol. Allez. Allez, c'est un dragon, allez.
Et en faisant comme ça, vous avez eu des dragons. Des combats comme ça. Quand même fou. Ah, c'est un dragon. C'est un dragon. Voilà, c'est un dragon, quoi. On va pas se plaindre, hein, dragon Komori. T'as pas vu ça? Mais non, j'ai pas vu. Mais tu vois bien que j'ai pas répondu. Le... Hop. Ah, Pio, t'es pas le premier à me le dire ce soir. J'ai essayé. Et il me donne que de la bière. On verra après. J'ai essayé tout le monde. J'ai essayé tous les matchs. Tout, on m'a dit qu'il le donnait. Ouais. On va voir. Après, c'est vrai que Joey Wheeler, il est plus facile à battre. C'est mieux le match de la prairie en vrai. Ah bah bon, pour ça. Oh, arrête de croc, merci à toi. Enfin, tu respectes le fait que Yu-Gi-Oh! C'est plus intéressant que le go, quoi. T'as dit à tes joueurs, dis écoutez, vous avez vu le go, maintenant vous allez voir un plan au-dessus, supérieur que les parties go, Yu-Gi-Oh! Voilà. Un dragon de foudre, un magicien ténèbres, les gars. Salut tout le monde. Bonsoir à vous, bonsoir. Ah ça y est, il se lance. 3 heures après, il y a le truc qui se lance, on croyait un raid. Incroyable. Force et honneur. Incroyable. Force et honneur, les gars. Allez. Bonsoir, ce jeu, je l'ai poncé. Et cheaté ce jeu étant petit. Ah ben oui. Je comprends. Moi, je l'ai poncé à fond le jeu quand j'étais gamin, mais. Oh, cheaté, non, pas tant. Mais. En combien de contrôles météo ce soir? Pas un. Pas un seul. Et bizarrement, t'arrives, je sens que. Je sais pas. Je sens qu'il va en avoir un qui va arriver là. Je sais pas pourquoi. Il y en a un là quand même. Bon, sans gaz. Pas mieux. C'est pas mieux. Oh putain. On va y arriver. Bon, comment ça s'est passé, partie de go? Merci encore pour le raid, évident, hein, je vous le dis. Je me suis fait éclater. Ah, c'est embêtant pour toi. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je vais faire ça, tiens. Comme ça plutôt. Ça va pas en ce moment. Wow. Est-ce que tu penses que ça vient de toi ou... Oh, la Bretagne est là. Salut à toi. Brest-toi. Et d'ailleurs, il y a des Bretons qui viennent me voir la semaine prochaine. Il y a ma famille de Bretagne qui arrive. Hop. Il va pleuvoir la semaine prochaine aussi. Ah merde, j'ai mis plus de temps encore. Ah, évidemment. Ben je bloque sur un truc, mais je dois trouver quoi. Ah. Effectivement. Bon, on va faire ça. Peut-être le juge impératrice. Ouais, bah peut-être on va voir. Par exemple. Oh putain l'enfoiré. Oh il m'énerve. Et il dit comme par hasard, moi j'ai toujours des boucliers, l'autre dit oh tu peux être le juge impératrice. C'est ça. Depuis le début que j'ai commencé cela, il n'est jamais sorti. Hein. Oui, ça va le faire, gros. On va y arriver là. Il y a toujours un moment où c'est stable, puis après. Après, ça lance. Quoi. T'as un souci, appelle-moi. Oui. Est-ce qu'à la fin, tu peux dire oh, c'est peut-être le dragon météor?
Oh putain. Oh putain, mais c'est pas possible. Oh le gars, il adore me faire peur, le putain. Allez. Ah mais oh. Là j'annonce le fantôme, hein. Putain tu m'énerves. Fantôme le météo. Hey, qui dit vieux. Tangan, lutin cornu. Oh, manqué que lui. Korogashi. Petit insecte araignée à 500 ans là. Putain quoi. Allez, 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 allez. Faut que ça marche. On va y arriver. On me dit, ouais, moi j'ai dragon, tout, tout le monde sur Discord. Ouais, ah, je sais, j'ai. Ouais, bah ouais, ouais. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, envoie-le ton dragon. On te plaît pas, j'ai fait 600 duels pour avoir 3 dragons et 2. Bon, voilà, bon, ça va. Effectivement, je suis à 5 et quelques. Ça me rassure. Ça me rassure. Mais d'un côté, ça me rassure pas, parce que je me dis, je dois faire 600 duels. Je vais pas faire 600 épisodes, tu vois. Si je fais 100 duels par épisode, ça ferait ouais, 6 épisodes. Et 100 duels par épisode, c'est compliqué. À dire même pas la moitié. Même, je crois 20 duels déjà, c'est pas mal. Oh, ça fait beaucoup, là. Ouais, tiens, on va enlever l'arme. Je pas comprendre. Je vais en accélérer encore. Ben oui, en plus, en accélérer. Ouais. Après, je vais le mettre en accéléré. Ouais. De toute façon, je devrais déjà sorti le bon shit. Hein, des familles. Poché d'argent, mais va te faire foutre. Putain. Désolé aux enfants qui nous regardent. Hop. Mais moi, j'aime pas, moi, tout ce qui est mode et tout ça. Je voilà. J'aime bien faire ça correct. Je passe le stream en 18 plus. Je vais en avoir un ce soir, mais quoi? C'est ça le problème. Moi j'y crois pas du tout. Allez. On lâche rien. Oh non, je fais deux épisodes, mais ce soir il n'y en aura que. Ah. Le live porte chance, je viens d'obtenir joie. Mais. Et... J'ai un contrôle météo. On devrait faire des paris. Oh putain. Hop. Allez, allez, allez. Non, mon dragon! Allez, Goku. Contre météo, ça arrive, oui, effectivement. Vu comme ça, effectivement, ça arrive. Je suis con, putain. J'étais en mode lune. Je vais laisser comme ça s'il doit m'attaquer mon cheval. Ouais. Faut que je recule. Ouais. Eh ouais, putain, je sais pas pourquoi, je croyais quitter l'une, du coup j'ai pas voulu battre l'une. En fait c'est le contraire. Ah bah vas-y, régale-toi. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Waouh. Comment vous dire? Eh ben c'est un duel de merde. J'ai fait une erreur, c'est ma faute. Hein. Ah non, c'est pas celui-là. Pas un point. Hop. Aïe.
dragon. Ça va être tant pis, on va faire comme ça. Pas le choix. Et là, je mets lune. Ma lune. Là, on va sortir le juge. Bah. Ah bah oui, vas-y. Déjà que les duels sont chiants, alors vas-y, me les ralentit. Les ralentit encore plus. Magnifique. Bonsoir Chalik. Ça va bien? J'ai la guille ce soir Chalik. Ça va pas. Ah, on s'en fout. Aïe 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 aïe. J'ai quasiment rien en bonne carte. Bam. On va refaire la même, hein. C'est long. Qui s'y fait? Ah ouais? Ah ouais? Ok. Je la connaissais pas celle-là. Le gars il fusionne tranquille quoi. Non, j'ai quasiment rien eu. J'ai eu un Pégase de... aux ailes de feu encore. Mais pareil, mais rien de foufou quoi. Bon, 1900, là, me casse les bonbons, là. 1900, et c'est... Putain, Tant pis, on va faire ça, hein. Dragon, magicien du temps. Oui, mais ça fait pas plus. Parce qu'elle est type ténèbre, non? Je sais pas si je peux... parce que ça fait 2400, mais... compliqué, hein. Ça fait Dragon Millénaire à 2400 et... à 2009. Compliqué, compliqué. Allez, on va faire ça. On va dégager du monde, il le faut. Il le faut, il le faut. On va mettre ça. Tapis. Je fusionne mon monstre avec ma magie pour donner une autre magie ensuite. L'équipe à un moment pour lui faire gagner 1000 d'attaque, mais oui, toujours plus, mais oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais, c'est clair. Ah ben voilà. Putain, mais il a combien de... C'est quoi, je vais faire ça. Il met un plumeau, là, je vais... Voilà, mets-toi en défense, ça a raison. Voilà. Putain de merde. Il a mis deux épées, quoi. Il a mis deux épées, le mec. J'aurais eu le... Ah, ça y est. Ça y est, je peux un peu me dégourdir les jambes. Hop. Même pour le faire chier, tu vois. Tiens. Voilà. Ça prendra. Hop. Voilà, j'ai une carte de merde.
Non, pas à gauche. Ben oui, 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 je me rappelais plus. Je me rappelais plus pour le chemin. Ah, les Shinzo, putain. Bon, après, c'est niveau D, qu'est-ce que tu veux avoir? Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais là, il m'a fait des combos qu'il m'avait jamais fait en 127 duels. Et il a fusionné des cartes d'équipement et tout, là. Allez, on va faire ça. Comme d'hab. Je vais pas y arriver. C'est fou, hein. Après, toi, tu me dis 600 duels, quand même. Faut s'accrocher, les gars. Et il fait les combos comme ça. C'est sûrement une bonne carte à la fin. Ah oui, d'accord. Ouais, sûrement. Hop. Allez. Ah bah, tiens, tiens. Allez, 2700. Allez, faut qu'il pose une merde. Il met le type TH, je sais plus. Ça va. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. On va la gérer. Là. On va la gérer, on va la gérer. Voilà, on va la gérer. Lube. Ne trompe pas, c'est Lube. Lube. Voilà. Bon. Allez. 2500 pile poil. Non mais dauphin blanc quoi, mais ça me... Waouh. Oui mais Eijin là j'arrive pas à le battre. Voilà. Je veux bien qu'il donne des trucs de fou Eijin, mais je peux pas le battre. Il me pose des cartes de fou sur le terrain aussi. Tu poses un piège, il met plumeau. Voilà, c'est des trucs de fou. Shipper, arrête de shipper. Ouais, c'est ça. Allez. Pitié, quoi. Qu'est-ce qu'il lui prend? Oh, même lui, il en peut plus. Le bot, il en peut plus. Il dit, Coco, je t'aime. Je ne te dis pas pourquoi. Tu vas sur Discord. Oh, putain. J'en ai marre. Mais comment vous faites sans déconner? Te font un S là, ouais. Mais les S, ça me donne de la merde, hein. C'est ça qui est fou. Tu viens de voir qu'il a mis l'employé de Lethal Company dans Fortnite. Sans déconner? Ah, trop bien. Énorme. Franchement, ça montre comme quoi le jeu a fait fureur, hein, parce que pour qu'il aille sur Fortnite, enfin, pas sur Discord, non, j'irai pas, je m'en fous, j'ai pas envie de chialer en plein live. Oh putain. Non, non, ça va, retiens-toi. Regarde, hein, qui est mieux là? Est-ce que je vais faire un screenshot pour mettre sur le Discord, moi? Non. Allez. Mais je suis obligé d'aller voir, bordel, vous faites chier. Faites chier. Je vais pleurer. J'en ai marre. J'en ai marre. Yu-Gi-Oh! Non mais mec, hey, franchement, t'étais... Alors attends, t'étais celui qui pour le moment était à mon niveau chance, tu vois. J'étais à peu près, voilà, on était à peu près pareil, j'avais des galères, j'en avais aussi, et voilà, t'étais parti du côté obscur, quoi. Mais moi aussi, je veux aller au côté obscur, quoi. Ah, voilà. Ouais, en gros, c'est ça, t'étais cool, hein. Moi, j'étais l'élu, tu vois, je croyais en toi, quoi. Voilà.
Là, je te vois ramper dans la lave, me dire je te hais, tout ça, quoi. Putain. C'est Dark Vador, hein. C'est bon. Ah, c'est... pas possible. Il y a eu le meilleur professeur aussi. Il m'a moyen d'avoir un lien Discord. Mais oui, avec plaisir. Avec plaisir, je vais le chercher de suite. Parce que le Discord que est sur Twitch, il est pas bon. Je vais bien te demander. Éviter, copier. Et pour les... Tu es le bienvenu, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, vous êtes tous les bienvenus. Il y a une très bonne ambiance en plus, c'est cool. On se régale. Hop. Allez. Puis si on est assez nombreux, après on va calculer pour faire une sorte de ligue avec des drafts et tout là sur le logiciel gratuit. Vous verrez. J'ai fait quelques duels justement par rapport à ça sur ma chaîne de YouTube. Allez, on va faire... Ouh, attends. Non, c'est bon. Ah ouais, super, c'est gros. On pourrait faire ça avec le GoPro en plus, ça pourrait être bien. Un petit tournoi, une petite ligue. Avec tout le monde. Peut-être je pourrais participer. Pas maintenant. Ah, il n'y a pas eu. Mais Sangan, va te faire foutre, Sangan. Tu vois, je vais te jeter par la fenêtre, mon gars. C'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Deux fois d'affilée, quoi. Non, quoi. Ah, ça va pas être ce soir, c'est sûr. Je joue hors live, je m'en fous. Hop. Trouver une solution. Je suis capable de perdre contre Elion au go pour l'instant. Ah ouais, mais non, de suite. Celle-là, j'annonce, si t'as pas une bonne carte, je donne des subs. Ouais. Ah, déconne pas. Le dragon millénaire, on y va à fond. Je prends des risques là, oh putain oui. Je pense que ça va être la carte la plus pourrie du jeu. Genre Monstreuil ou un truc comme ça là. Donc j'ai jamais joué au go, ce serait... Ah bah là oui. Allez. Le dragon, c'est parti. Allez. Lupio l'a lancé. M'a dit j'aurai une bonne carte. Allez. Non mais. Eh, je suis maudit. 300 gagnes. 3 Sangan d'affilée. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non mais les gars. Mais j'en ai 3 d'affilée, putain. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Oui, c'est vrai, c'est trop fort, monsieur. T'as raison. En plus, c'est vrai. Le pire, c'est que... En vrai, il est super bien, Sangan. Putain, c'est incroyable. Ah, c'est gentil, monsieur, mais t'aurais pas dû. C'est gentil. C'est gentil à toi. Ah, mais en plus, Chadi qui a eu un abonnement, mais bravo. Merci pour les abos. C'est quoi les probas? C'est rien, non, mais c'est pas possible. C'est clair à mettre. Je vais mettre elle, allez. Je tiens parole là, oui, c'est gentil. Merci à toi. Oh, il y a un retard entre le son et le moment où tu donnes les subs, c'est incroyable.
Bon, c'est vrai, Romain, il y a un retard par rapport au live, peut-être pour ça. Bah. Mais il me manque là. 3400, c'est compliqué. Un deuxième, parfait. Ah, le magicien, il peut être Mars aussi. Putain, j'avais même pas capté qu'il pouvait être feu. De type feu. Hop. Allez, attends. C'est bon. Allez, j'annonce celui-là, c'est le bon. Allez. Oui, c'est un dragon. Rehache. Allez hop. Cette fois, c'est la bonne. Je dis ça à chaque fois. C'est ce qu'on dit depuis le début, ouais. Mais la mer cache, mais non. Mais non, il va remettre la prairie. Après. Moi je garde pour un cas s'il met un bouclier quoi. Mais non je peux pas le finir. Ah putain le bâtard. Il va foutre ça va. Le mec il était à 8000, tu me dis mais la mer à 3300. C'est sûr que je finis. Il arrive, il remet prairie, c'est bougu. En fait ça sert à rien. Tiens voilà pour la peine. Voilà. Bon j'aurais pas le S. J'aurais le A. Eh putain quoi. Pas la spalle non. Pas possible. C'est incroyable. Il faut plus de montagnes. Oui oui. Bon, mer c'est bien aussi. Hein. En fait pourquoi je prends mer. C'est parce que les montagnes ça va monter tous les dragons. Ah merde, ça va monter que les dragons de type électrique. Voilà, c'est surtout ça. Ça réduit le feu, le métal. Allez hop. Si j'étais toi et Coco, je farmerais. Jouer, il y a un gars, il a eu 3 fois ce soir, c'est abusé. Je vais y aller sur jouer, voilà, je vais y aller, je vais le finir, je vais l'avoir. Et j'ai essayé de le farmer, mais j'ai tout que de la merde. Après, moi je me rappelle de jouer, il m'avait filé le Kunai Shen.
Ça, c'est excellent. Le kunai shell pour les équipements. C'est le faisant. Alors, une fois joué sur jouer deux fois sur le mage. Ah, ben voilà! Et t'as fait Espo comme ça, pareil. Mais je l'ai 5 fois, lui. Putain, bah c'est mieux qu'un contrôle météo, tu me diras, mais... Moi, je peux pas l'exprimer. Combien je l'ai de fois? Ah non, 3 fois. Ah, j'en ai, je l'ai 6 fois en tout. 6 fois. 6 fois, je l'ai. Les gardes sont de même A ou S? Ok. Moi, je pense que le S a plus de chance d'avoir du costaud. Allez hop, pour une fois que je peux le faire. Ah ouais. Je me rassure pas, Shadik. Mais au moins, j'ai ton soutien un peu. Oh, le gâchis, quoi. Le gâchis, le gâchis, le gâchis. Oh, piège. Bon, au moins, t'en as eu un. T'en as eu au moins un dragon à quoi, quoi. Exploser l'écran. Comme putain, 1000 duels, quoi. Ah mais la malédiction du dragon, tu as eu 0 fois. D'accord. Ah ouais, effectivement. J'ai pas vu ce que c'était en passe. C'est plus. Mais c'est pas possible. Comme par hasard. Mais comme par hasard, putain, ça m'énerve. Comme par hasard. C'est incroyable. Incroyable. Ah, ça me tue. C'est pas possible. J'ai pas vu ce que c'était. Oh, je vais mettre l'une. On va parler le seul. Hein. Le jus. Et il y en a deux. Tranquille. Putain. Ah, ça me fume. Je dirais, mais je suis fatigué, les gars. Oh bon, les yeux ils sont morts. Hop. Ah ben là, oui, ça va être sans gagne. Faire, on va l'attaquer avec lui parce que c'est bon. Bon, c'est bon, je vais pas attendre, je m'attends pas à un truc de fou. Ah putain. Bon, j'essaie Joe ou quoi? Non, on va quand même, on va retenter. Après, je vais jusqu'à 135, après je tente de jouer William. Je l'ai dit, ça va être un live de 2 heures ou quoi, tant pis, ça va être un gros épisode. C'est pas grave. Faut qu'on avance. Je
tenter Ishi. Non, Ishi, j'ai essayé. Ishi, j'ai essayé, je me fais poutrer. Je me fais poutrer bien comme il faut, quoi. Après, là, je vais faire que du jouer, là. Ah mais c'est PS1 hein. Faut pas s'attendre à des trucs de fou hein. Mais c'est la musique du duel libre. Tout simplement. Je sais que c'est embêtant mais... Moi j'y fais pas gaffe hein, franchement. J'y pense plus. Et puis attention. Ah ouais, mais y a une... c'est vrai, il y a une animation de combat. Qui est très rapide d'ailleurs. Hein. Au moins, cimetière de mammouth, quoi. Ah, il y a 835 en fin d'annuel, cimetière de mammouth, quoi. C'était... Mais c'est... Cimetière de mammouth, quoi. Ça me rend fou. C'est chaud. Oh mon dieu, oula. Ah ça va. Il a mis quoi? Oh putain de... Aïe aïe aïe. Ah, ça c'est bien. Je crois que c'était un deuxième bouclier, je disais, c'est bon. Oui, c'est clair que pour un jeu PS1, il est quand même très très bien. Bon, il y a eu mieux quand même, hein. On peut compter les Final Fantasy quand même. Bon. Voilà, à choisir. Voilà quoi. Ah ouais, les cochons de guerre. Putain, j'ai tellement joué à celui-là. C'est copieux dans ta musouac. Voilà. C'est des trucs comme ça, je me rappelle. C'est des petites expressions qu'ils disaient. Ah oui, mais t'as Gear Solid aussi, effectivement. Et Oddworld aussi. Tous avec un accent différent, il y a le Marseillais. Hop, on va faire comme ça. Donc, comme par hasard, j'ai pas les cartes qu'il faut. Rambo aussi. Medieval, ouais, c'est vrai, Medieval. Rayman qui était très bien. Sur la Play 1, j'ai 155 jeux. Exactement, sur ma console. Le Die Hard. Vous avez eu Die Hard Trilogy? Vous avez eu celui-là? Oh si, c'est une tuerie.
Alors... Apocalypse, mais il est génial. Avec la vraie voix, hein. La bonne voix et tout, hein. Il est excellent, ce jeu. Excellent. Il est dans mes tops, celui-là. Il est trop bien, quoi. Bah, je vais virer lui, hein. Ah ouais, ah ça paye bien. C'est clair. Allez guerrier de l'apocalypse. Bon, après... Mais non, je suis con. Pas grave. On n'a rien vu. De toute façon, ce duel est mort. Parce que ouais, dès que j'ai pas la foudre ou la quoi, ben, je peux rien faire contre un bouclier de merde. Alors, bien sûr, il y avait les Tomb Raider, mais j'ai pas été très fan des Tomb Raider. Moi aussi, j'en avais un, mais oui, j'en avais un qui était incroyable, c'est GTA 2. GTA 2, les gars. Il fallait un code pour y jouer. C'était excellent comme jeu. C'est une tuerie. En vue du dessus, là. Très très bon jeu. Hop. On va rien dire. Je sais plus. Non, il y avait plusieurs villes. Il y avait plusieurs villes sur la PS1. Et je me rappelle, c'est que le premier niveau suffisait de récupérer un tank. Et... Et tu pouvais finir le premier niveau, quoi. Juste avec le tank. Tu défonçais tout le monde et t'avais assez d'argent pour passer à la vie suivante. Ça, c'était un kiff total. Après, je m'en rappelle plus, putain. Et là, tu formes trop vite. Ça dit... Eh, ben voilà! Il est là, le contrôle météo! Il est là, il y en a eu un! Il y en a eu un! Contre le météo, les gars, il est là. À la place de Mobsless. Pas réussi. Ah, il y avait Driver aussi qui était bien. Maintenant j'y pense. Très bon jeu, Driver. Très très dur. C'est bon, il a eu son contrôle météo, il peut couper le live, ouais, ouais, c'est clair. Trop de bons jeux sur PS1, ouais, ouais, ouais. Encore, j'en oublie, Crash Team Racing. Bon, il y a les Crash Team, des Crash Bandicoot, mais le Crash Team Racing qui était excellent. Ça, c'était un putain de jeu. Même mon père qui aimait pas les jeux vidéo, il jouait à Crash Team Racing. Il me battait, en fait. Harry Potter, putain, c'est clair. Qu'est-ce qu'il était bon. Tout le monde se foutait de la gueule de ce jeu. Mais il était excellent. Les Spyro aussi. Évidemment, les Spyro. Ah ouais, Harry Potter était très très bien. Hop, on va faire ça. Wipeout, ça me dit quelque chose, ça.
Wipeout, ça me dit quelque chose. Il y a eu Time Crisis aussi, comme jeu où tu avais que la cible et tu tirais sur tout le monde. Ah, il y avait un jeu de combat. Franchement, si vous le connaissez, celui-là, jeu de course avec des vaisseaux. Ah, mais oui, oui, exactement. Il y a un jeu de combat, franchement, si vous le connaissez, vous êtes des bons parce que c'était Bloody World 2. C'est des mecs qui pouvaient... Oh, guerrier de combat, putain. C'est des mecs qui pouvaient, pendant le combat, se transformer en animal. C'était genre le tigre, la taupe et tout, là. Vous y avez joué à celui-là ? Celui-là, je vous le... Franchement, si vous avez jamais joué à celui-là, je vous le conseille. Bloody World 2, un truc comme ça, ouais. Très belle histoire et tout. Je ne connais pas. Il y avait Finity Force aussi. Good Gamer vous a répondu. Oh, mais ok, je regarderai. Good Gamer m'a répondu sur YouTube. Je ne connais pas Tekken. Ah oui, Tekken. Mais Finting Force aussi, c'était un jeu de combat de rue aussi. Un jeu d'aventure, je vous conseille. Très très bon jeu. Ah, il y en a un qui connaît. Le ninja avec la qui se transforme en top là. Lui, c'était mon préféré celui-là. J'ai joué à Bloody Roar, mais sur bombe au bled. Ah ouais, putain. Incroyable. Incroyable. Après, il y en a plein de jeux que je me rappelle, mais je me rappelle plus des noms. Il y avait Jax aussi, je crois. Le lézard. Hein. Jax, comme ça. Genre de lézard espion, je sais pas quoi. Jax, voilà, Jax. C'est ça. C'est un jeu de taré, ça. Hyper chelou. Une pépite, ah oui, oui. Totalement. Diablo Castor. Et qui c'est qui m'a dit jouer contre jouer là? Je vais pas y arriver. Je crois que là, il reste. Dans un quart d'heure, j'arrête parce que je j'aurai pas la force. J'aurai clairement pas la force. Là, vous m'achevez là. Le jeu, il est bien, ouais, ouais. Bon, après, si j'ai le dragon, là, respect, là, je dis bon, d'accord. Ça va être chaud. C'est moi, mais je crois que c'est pas gagné. Mais c'est clair, là, je suis maudit, les gars. Je suis maudit, putain. C'est la folie, quoi. Demain, je serai en jeu de rôle. C'est Dr. Pink Eyes avec Crow, d'ailleurs. On sera en live. Je vous passerai le lien sur Discord si vous aimez les jeux de rôle. Prends l'un des cartes, Nicoco. Ah ouais, avec plaisir. Command and Conquer, oui. Mais... Alors celui-là, je ne l'ai pas testé sur PlayStation. Je l'ai testé sur PC, moi. Le combat des Tiberium. Là. Les combats du jeu sont aux fraises aussi. Là. Ah ouais, non. Ouais. Hop. Sur quel jeu? De quoi? Le jeu de rôle? Alors, pour expliquer, si c'est ça que tu demandes, le jeu de rôle qu'on va faire demain, dans l'histoire, nous sommes des vampires qui combattons des nazis. Voilà. On combat des nazis, voilà. T'es... La main du mystère, bravo les gars, merci. allez, je crois en vous, je crois en l'âme des cartes. Voilà, on est des vampires qui butons des nazis. Voilà, c'est plutôt cool. Ça, c'est fun. Alors, il est très facile à prendre en main. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous filerai le lien demain, vous verrez. Et il y aura, je vous passerai le lien YouTube de Dr. Pink Eyes, qui fait pas mal de jeux de rôle. Alors, moi, j'en ai fait pendant un temps.
sur la chaîne. Si un jour, si vraiment, si c'est des trucs qui vous plaisent, ça peut se refaire. Si vous aimez bien les jeux de rôle, sur les jeux de rôle et tout, donc jeux de rôle sur table, hein, c'est vraiment papier, le dé et tout. Quoi. Hop. C'est pas un jeu vidéo. Hein. Hop. Si vous aimez les jeux de rôle, ça pourra se faire. Ok, je vais regarder ça après le taf. Donc, bah, écoute, avec plaisir. Normalement, ça commence à 21h. Mais tu peux avoir les rediffs facilement aussi. En plus, là, c'est le dernier épisode. On est à la fin. Jamais assez de joueurs joueuses pour les JDR. Oui, c'est vrai. Totalement. Il y en a qui veulent. Qui sont intéressés. Le flammaboule. Ben oui, il manquait plus que ça. Incredible Crisis, ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit bien quelque chose. Oh, putain, je vais pas y arriver. J'en profite pour faire ma pub, je recherche des gens pour faire des campagnes ou one shot en JDR. Ah ben oui. Pro et d'ailleurs il aura plus de facilité à faire des soirées jeux de rôle. Pourquoi j'ai fait ça moi? Moi j'ai pas assez de temps pour faire les live jeux de rôle. Donc s'il y a des joueurs de jeux de rôle et que ça vous intéresse de participer, n'hésitez pas. Bah on va faire ça. Ok. Allez, on va se venger. J'ai entre 500 et 600 étoiles, je pense. Mais acheter quoi, je sais pas. J'aimerais bien une carte d'équipement, mais putain, je crois que c'est plus de 700. La carte d'équipement des dragons. Là. Ça serait bien parce que alors l'arc là ça me saoule. N'hésitez pas d'ailleurs à follow la chaîne de Pro. Il y en a qui veulent découvrir le jeu de Go aussi. N'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Et si et il peut vous initier au Go. D'ailleurs, vous aimez ça. L'équipement c'est 800, ah ben écoute, bien sûr qu'il va vous initier au go, bien sûr, dis pas eux. Vas-y, mets ta dédicace, vas-y, file ton lien. Je suis mauvais, mais je peux... Mais arrête! Allez, on le soutient les amis. Regarde, t'es un drôle d'oiseau. Le gars, il est 6ème et 6Q, là. Vous voyez les échecs? Eh bien, c'est comme les échecs, mais en plus compliqué. Enfin, plus compliqué. Il y a, le jeu de base, il est simple à comprendre. Mais il y a plus de possibilités de techniques différentes, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. C'est excellent. Il y a un très bon manga d'ailleurs pour le Go. Et Hikaru no Go. Je vous le conseille. Hop. Hop. Ah ben non. Ah ben non, on va le faire. Allez hop. Tac. Voilà. Impec.
J'avoue, le manga, super déjà lu. Ah, et ça fait plaisir. Vraiment, il est bien. Moi, j'ai découvert le goût grâce au manga. Et je me suis régalé. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que dans la ville où je suis, il y avait un club de go. Avec un joueur très connu d'ailleurs en France qui a écrit, qui a co-écrit les règles de go en français, etc. Allez, DM, s'il te plaît, je. Et voilà, écoute. Voilà, on y bouchard, merci à toi. C'est pas un truc de fou, mais c'est quand même Dragon Noir aux yeux rouges. Moi, je prends. Moi, je prends. Ouais, non, c'est. Franchement, c'est pas. Ça va. Ça va, c'est pas mal. Merci, merci. On va sauvegarder, hein. Deuxième Dragon Noir aux yeux rouges, je prends. J'aurais pas assez. Je vais m'équiper du dragon de rose rouge, évidemment. Il me reste 10 minutes à peu près, 8 minutes de live. Et on s'arrêtera là pour ce soir. En 8 minutes, il en faut un. Le dragon éclair de 130. Oui, je l'ai acheté déjà. Je l'ai déjà acheté. Non, vraiment, il me faut des cartes d'équipement. C'est clairement ça. J'en ai marre de me taper les boucliers millénaires. Hein. Bon, après, il faudra faire des attaques, tout ça, mais ça, je le prends off. Faut que je prenne le temps pour ça. Araignée. Attends, non, c'est pas celle que je crois. Attends, c'est pas celle que je crois, ça. La méca araignée. Attends. C'est la grosse, là? Putain. Je croyais que c'était celle de Bandit Kane. Putain. Avec les missiles. Énerve. On va retourner sur le match de la prairie quand même. Pour les dernières. Mais bon, j'en ai marre de taper le bouclier, quoi. C'est ça qui m'en fout. Hein. Araignée lance-missile, ouais, t'as raison. J'ai loupé un dragon noir aux yeux rouges. Oui, j'ai eu le dragon noir aux yeux rouges. Ouais. Exact. C'est déjà ça.
De putain. Voilà. Voilà. Effectivement, on a pu le voir là. Bon. Mais non, il lui porte pas la boise. Ouais, j'avoue. J'avoue, il était là. Bon, on va faire ça encore. Bon, là, j'ai éclair, c'est bon. Ça, c'est intéressant quand même. Est-ce que je le détruis maintenant ou pas? Parce que si c'est pas ça... Bon allez, putain, m'énerve. Faire des points de vie. Ça va être ça, c'est obligé. Putain. Oh, cette blague. Oh, je sais pas si tu es là, on a trouvé un bon là. Oh, putain. T'es un rival, con. Oh putain. Merci, ça fait plaisir de faire sourire. Ah ouais, non, mais les blagues comme ça ici, t'inquiète. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Le top du top serait 3 dragons météores. Ah bah oui. Oui, j'avoue. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Totalement. En une dragon météore, t'as... Non, logiquement, t'as plus de chances pour l'avoir, le dragon météore. Logiquement. Et ben voilà, Pégase aux ailes de feu, j'ai 3 points. Voilà, voilà. Il y en a, ils l'ont pas du tout, moi j'ai 3 points. T'inquiète, je le laisse s'installer, puis je vais le mettre KO. Avec une blague de daron bien bof. Quel malfaisant, un peu le drop. Je crois qu'on peut le drop, mais ça doit être Aishin, non, qui le drop. Il m'a tué, quoi. Ça. Battle de job de papa. Ah voilà. Il manque d'anneau. Il en manque là. Allez hop. Bon, je vous laisse pour ce soir, sinon le réveil va piquer. Bonne fin de live. Eh bien, merci Dolgochan, merci à toi, ça me fait très plaisir. T'es un super gars, je te le dis, et même pour sur Discord, tu apportes du bonheur, je te le dis. Voilà, t'as une bonne mentalité, t'es fun, et merci à toi. Voilà. Moi, je te trouve super cool, et ça fait plaisir. Voilà. Il y a l'ambiance et tout. Je te souhaite une très bonne soirée. À la prochaine avec grand plaisir. Hop. Même à moi, il le dit pas. Ouais, Marc Pouel, comment te dire, il parle. Tu veux pas. Ben, faut dire que Marc Pouel, tu dis rien sur mon Discord. Non, je déconne. Marco, si vous voulez qu'il mette l'ambiance, vous parlez de Gonzès, c'est bon. Il est chaud. Il est chaud. Il est bouillant. Le match de la montagne donne de très bons drops aussi. Mais putain. La dernière fois, j'ai ennuyé Fifi. Voilà, tu riais. Ah ben ouais. C'est sûr. Hop. Je dors debout.
Ah, ça fait 2 heures pile poil. C'est le dernier duel, les gars. Et j'aurais bah, une carte de merde. Bon, SP, je ferai un autre duel. Pour finir sur un, au moins un S, quoi. Oh là 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 là. Non. Allez. Putain, j'aime pas. Ouais, le problème du bouclier, c'est ça. Hein. C'est putain. J'arrive pas à les passer. Hein. Eh ben non. C'est pas mon dragon, toi. Oh là 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 là. Pas une dièse de la dernière, on connaît. Ouais. Et que même en montagne qui peuvent t'aider. Mais la foudre aussi. Hein. La foudre dans sa tronche. Hein. Et j'ai la carte mère. Ouais. Faudrait jamais je suis le deuxième. Ouais, j'ai un éclair et une mer. Oui, mais j'ai pas la fusion pour faire le... Alors, je peux faire la fusion de crâne invoqué, mais je l'ai pas dans le deck. Je vais rajouter une carte mère, là, je pense. Je vais enlever une plante à la con, là. Et... rajouter... Allez. Ah, mais c'est pas possible. Incroyable. Et dans les dernières, hein. Oh, je supporte pas ça. Et merde. Oh. Il y a assez de dragons. Il y a un thème dans ton deck non, je crois pas. Il n'y a pas un thème précis. Je pense pas. On va se faire chier. Ouais, mais il faut que je rajoute la carte. Faut que je la rajoute. Je sais même pas si. Peut-être j'ai trop fort. C'est quoi ça, Piscilas? La merde, ça. En D. En D, ça doit être la merde. Ah, c'est un poisson. Ok. Voilà. Merde, il est là. Je peux le mettre 2 fois, mais... j'ai envie de planter à la con, là. Vas-y, il va encore en ciel.
Merde. Aïe, mais t'as... Aïe. Merde, voilà. Pas trois fois. Ah, je démontaille. Aïe. Pas pour le match des montagnes. Yes. Il... Voilà, putain. Horrible. Aïe, aïe, aïe. Ils sont même pas abusés. Tellement abusés. J'en ai mis 3 quoi. Bon anniversaire. Oh putain. Ah. On est bien. C'est pas assez. Alors attendez, attendez, attendez. C'est bon, c'est assez long. 5002 pile poil. Pas con. 7008 plus 4. Ouais. Sympa. Ouais, c'est ça. Ce jeu me chie à la gueule. Ce jeu me chie littéralement à la gueule. Mais c'est pas possible. Oh, il est bien. Il est bien le match de montagne. Oh, yeah. Allez, la toute dernière. Dernière de der. Dernière de der. La dernière, après tu retournes au go, ok. Hop. Montagne. Yeah. Oh, je vais me coucher. On peut pas rester sur ça. Oh, arrête, allez. Allez. Monstreuil quoi. Putain, je le gueule le truc. Si ça finit sur le contrôle météo, les gars. Le destin. On va arrêter le carnage, les amis. Oh putain. Non, non. Mais je veux pas, pas lui. Je voulais voir mon deck. Putain. Pourquoi lui? Putain, mais je voulais aller dans la. Putain. Oh, je suis mort. Je le massacrer. C'est le villageois. J'ai monté, je voulais voir bon, mon deck, je suis tombé sur le villageois. Oh putain. Ah ouais, non mais là...
Allez. Moi j'ai dit Dragon Météore. Hop. Ah, s'il me sort ça que là j'ai dit bon le jeu a bugué. Contrôle météo, non mais. Moi oh, ça pillerait bien. Contrôle météo. Oh putain. Moi, je veux finir sur un Kuribo. Elle me le donnera pas, Kuribo. Lui, j'ai dessiné celui-là. Le monstre. Aïe, aïe, aïe. C'est mérité. Bon, alors, sauvegarder. Bon, mais merci de votre soutien, les amis. Merci, parce que vraiment, ça a été horrible. Bon, j'ai eu un dragon de Rosio. Merci pour cette superbe soirée en ta compagnie. Eh ben merci à vous, parce que c'est vrai que ça a été... Bon, après, c'est que du farm. Voilà, je suis désolé, c'est pas foufou. Hein. On rigole bien, c'est ça qui est cool. Adieu. Oui, ben, il y a une bonne commu, hein. Vraiment, je suis très content de ça. On s'entend super bien. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout sur YouTube, mettez-le en commentaire. Mettez Contrôle Météo. En commentaire, ça veut dire que vous l'avez vu jusqu'au bout. Là, ça serait incroyable. Vivement mardi prochain. Quel bâtard. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Et n'hésitez pas, les amis, si vous voyez ça sur YouTube. Il y a des moments que vous avez aimé et que vous voulez le mettre en short ou quoi et le partager sur Discord. N'hésitez pas aussi. Ah, je dis qu'arrive à la fin. Eh oui, c'est fini. J'en ai marre. Je suis claqué. Je suis mort. Comme je disais, à 6h du matin, j'étais à la salle de sport, là, j'en peux plus, là. Ça va, enfin, putain. J'espère que tu vas bien, Raskit. Et ben, je vous dis bonne nuit tout le monde, je vais me coucher. Et je vous dis à la prochaine. C'était Nicoco. Bye bye tout le monde. Ciao. Ouais. Et merci encore, les gars, merci. C'était une très bonne soirée. Ciao, ciao.